And I wonder if I could fall into the sky. Oh! Hi! Ça y est, j'ai 26 ans. J'avais à cœur de faire cette vidéo parce que je vais partager avec vous 26 choses que j'ai appris de la manière douce ou de la manière un peu plus... Durant ces années, je tiens d'abord à vous dire que j'ai prévu de vivre très très longtemps. Donc techniquement, je ne suis qu'au quart de ma vie. Donc ceux qui me disent « Ah là là, tu te rapproches de la trentaine, machin », je m'en fous, je m'en fous. La vie ne s'arrête pas à 26 ans, elle ne s'arrête pas non plus à 30 et non plus à 50, donc... Qu'est-ce que je fais? Donc je le vis plutôt bien parce qu'au final, je m'en rends même pas compte. Et comme dirait ma mère, l'âge... C'est dans la tête. Sans plus attendre, c'est parti. Aime ton corps. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. J'ai mis beaucoup de temps à me convaincre que mon corps, de toute façon, j'en ai qu'un, alors autant faire avec les moyens du bord. Il m'a maintenu en vie jusqu'ici, alors autant être reconnaissante. Et il faut arrêter de se comparer aux autres, mais aussi au corps que j'avais avant. Meuf, tu te compares au poids et au corps que t'avais à 17 ans. Tu n'étais qu'un fœtus. Depuis, j'ai grandi. Depuis, j'ai vieilli, j'ai changé. Et mon corps a fait de même. Voilà, il est temps de l'accepter parce que sinon, on va perdre notre temps à le détester. On n'a pas de temps à perdre. Il est là, on va avec. Deuxième chose que j'ai appris. L'amour n'est pas censé faire mal. Et pour ceux qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire, ouvrez vos écoutilles, écoutez avec attention. La jalousie, la possessivité, les excès de colère, voire même la violence, les interdictions de voir telle ou telle personne ou de faire telle ou telle chose, ce ne sont pas des preuves d'amour. Ce n'est pas le chemin vers le couple goal. Non, c'est néfaste. C'est toxique et cette personne ne vous aime pas. Ou en tout cas très mal. Parce que là, avec toutes les notions que je viens d'énumérer, c'est plus une relation basée sur la codépendance que sur l'amour. Et ça, on veut pas. On n'a pas besoin de ça. Et les gens qui nous aiment et qui sont dignes de notre amour, on n'aura pas besoin de les supplier de rester pour qu'ils restent. D'ailleurs, ceux qui restent pas, bon débarras. C'est ok de prendre toujours la même chose au McDo. Ne te force pas à changer. À chaque fois que tu prends un nouveau truc, t'es déçu. Reste à ton Happy Meal. Sois patiente. Voilà, la patience, c'est un concept assez flou, assez vague. C'est pas mon délire. Sauf que avec la vieillesse vient quand même un peu de maturité à me dire quand tu veux quelque chose, il faut que tu comprennes que tu peux peut-être pas l'avoir tout de suite maintenant, tu vois. Ce fameux love yourself first. J'ai appris qu'être à l'aise dans ma vie, en tant que femme, en comptant que sur moi-même, c'était le feu. Le fuego. Si tu trouves l'amour sur ce chemin-là, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, tant pis, on s'en fout. Vous n'allez pas vieillir seul avec vos chats. Vous trouverez quelqu'un si vous devez trouver quelqu'un. Kiffez votre vie, vous êtes jeune. Soyez égoïste. J'ai appris ça à mes dépens il y a encore un mois. La frange, Margot, ça ne te va pas. Les mèches courtes, ça ne te va pas non plus. Tu as un épi sur le front. Un peu de bon sens, merde alors. Ah, un autre point que j'ai appris dans la douleur. Non, en vrai, faut pas rigoler de ça, mais la nourriture n'est pas mon ennemi, mais bel et bien mon carburant. Si vous voulez, je ferai une vidéo un peu plus approfondie sur ce point, mais pendant un certain moment... J'avais diabolisé la nourriture et c'est quelque chose qui m'a causé préjudice. Mais la nourriture, c'est la life, c'est ce qui vous maintient en vie tous les jours. C'est ça qui vous sort du lit tous les matins. La durée d'une relation ne détermine ni sa sincérité, sa durabilité, sa fiabilité et sa sincérité. Period. Quand tu vois ou côtoies des gens qui te mettent mal à l'aise, va-t'en, cours dans la direction opposée. Je me parle à moi-même hein, parce que du coup c'est quelque chose que j'avais pas tendance à faire du tout. Tu n'as pas à t'infliger ça. S'il y a des gens qui me font sentir comme une merde, mais si tu n'as pas envie de mettre de soutif, ne mets pas de soutif. Tais-toi, parent. La normalité n'existe pas. Cette notion de normalité, je me suis rendu compte qu'elle était complètement absurde.
absurde. Quelque chose qui va paraître normal à quelqu'un va paraître complètement irrespectueux ou déplacé pour quelqu'un d'autre. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation, ça dépend du pays, ça dépend de plein de facteurs différents. Plein de facteurs qui ont créé un filtre devant nos yeux et qui au final vont nous dire que telle ou telle chose, bah, ça nous paraît anormal, alors que pour quelqu'un d'autre, c'est monnaie courante. Donc, si quelqu'un vous dit « Ah, t'as fait ça, mais c'est pas normal. Oh, t'as réagi comme ça, mais c'est pas normal. » Ça ne coûte rien d'être poli, aimable et respectueuse, Margot. J'ai appris qu'être un vecteur de positivité, c'était beaucoup mieux qu'être un vecteur de négativité, parce qu'au final, je préfère qu'on se rappelle de moi en tant que meuf qui a essayé d'aider, qui a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice, plutôt qu'en pain beige qui critique tout et tout le monde et qui au final, ne sert à rien. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'importance du pardon et je vais le ressouligner maintenant parce que... Pardonne pour toi et pas pour les autres, parce que le pardon, c'est ça qui nous fait avancer. Tous ces sentiments négatifs là, ça dégage, parce qu'on se dit hey, tu es une mauvaise personne, tant pis, c'est pas grave. Tu m'as fait du mal, tant pis, c'est pas grave. Moi j'avance, je passe à autre chose. Et puis au final, c'est toi qui as perdu au change. Mais au moins ça vous apporte une petite paix intérieure. Mashallah des bananas quoi. Ce qui me conduit un peu à ce point suivant, la vengeance ça sert à rien. Je peux comparer la vengeance à, vous savez, vous faites les magasins et tout, et là vous tombez sur un article, genre coup de cœur. Alors que il est très cher, vous avez rien dans votre dressing qui va avec, et vous avez jamais l'habitude de porter ce genre de choses. Vous allez faire une folie sur le coup, vous allez penser que c'est une très bonne idée, vous allez l'acheter, et au final cet article va rester dans votre armoire pendant des mois avec l'étiquette dessus. La vengeance c'est pareil, c'est aussi inutile que ça. Sur le coup ça va vous faire kiffer, mais sur le long terme ça ne vous apporte rien. Je me dis que la vie fera bien les choses, la vie redistribuera les cartes de façon à ce que s'il y a des gens qui doivent payer, ils paieront. Voilà. Là je vais dire un truc mais qui est à prendre avec des pincettes quand même. Gardez quand même la notion de respect derrière ça. Nos parents, nos professeurs, nos supérieurs hiérarchiques ou toute personne qui fait état de figure d'autorité n'a pas forcément toujours raison. Ah moi je vous laisse ça là, vous vous débrouillez. Margot, tu t'es amusée pendant 26 ans sans prendre de drogue. Zéro drogue, zéro... Rien, nada, que chi. Maintenant, il est temps de t'amuser sans alcool. Te réveiller avec un mal de crâne des fafas, une nausée phénoménale au point où des fois il faut que t'ailles gerber. On va pas parler de l'option digestive qui nous sanctionne un peu le lendemain matin non plus. Mais si on pouvait s'en passer, ce serait pas mal. Et c'est surtout que tu oublies en plus, ça te fait complètement blackout là-haut. Et en plus t'aimes pas le goût. Alors arrête de boire de l'alcool. Celle-là je pense que très peu d'entre vous la savent. Il est possible de réanimer un hamster avec une paille et un petit doigt. J'avais une hamster russe microscopique. Franchement je crois que c'est la race d'hamster la plus petite du monde. Et du coup ils ont cette capacité de s'aplatir. La mienne faisait ça pour sortir de la cage, donc en gros elle se faxait là entre les barreaux. Elle faisait sa live voilà sur le comptoir de la cuisine et elle était très avide de sensations fortes, la couze, et elle s'amusait à sauter du comptoir, sauf que proportionnellement la hauteur du comptoir et la taille de l'hamster, vous faites un prorata, la hauteur de la chute, c'était pas du tout ce qu'il fallait pour ce petit être. Et du coup à la suite de ces chutes, il lui est arrivé plusieurs fois de faire des crises cardiaques. Mon père s'est armé d'une paille, lui a ouvert son petit bec, lui a mis dedans et il a pompé comme s'il faisait un massage cardiaque et hop, elle est repartie. Jusqu'au jour, bien évidemment, où elle n'est pas repartie. Tu n'es personne pour juger. L'humain en lui-même n'est personne pour juger autrui. Alors, il y a 2-3 choses que j'aimerais inclure là-dedans. Il y a différentes sortes d'intelligence. Si vous avez 19 de moyenne à l'école, c'est une sorte d'intelligence. Vous êtes probablement doté d'une intelligence logico-mathématicienne ou que sais-je. Mais ce n'est pas la seule des intelligences qui existent sur cette planète. Une intelligence que j'aimerais bien souligner, c'est l'intelligence émotionnelle. La faculté que vous avez, autant intrapersonnelle que interpersonnelle, d'interagir avec les autres ou d'être capable de parler de vos émotions, de... Mais ça les gars, on n'en parle pas assez, mais c'est être intelligent. Regardez par vous-même, faites des recherches, il y a je sais pas combien de sortes d'intelligence. Mais ce que je veux vous dire c'est que c'est pas parce que scolairement parlant vous échouez que vous n'arriverez à rien dans la vie. C'est faux. Et ça m'agace que cette putain de société nous dise « Ah là là, t'es pas en scientifique au lycée, ah bah dis donc. » Ah oui parce que on est d'accord, les littéraires apparemment, voilà, vous êtes des hippies qui savaient pas faire grand chose de votre vie. Les économiques et sociales, bah vous êtes intelligents mais pas trop parce que du coup vous avez pas réussi à aller en scientifique. Et les scientifiques, vous êtes le top de la pyramide. Alors je ne parle même pas des STG ou STMG à mon époque qui étaient dénigrés plus que tout, enfin...
Je comprends pas pourquoi, par exemple, tout ce qui est métier manuel ou artisanat et tout ça, ma mère, elle est artisante. Elle sait créer de ses mains, mais c'est un truc de fou! Dites-moi que ça, c'est pas une forme d'intelligence. C'est un savoir-faire, c'est sûr. Et elle a été capable de l'apprendre. Donc il n'y a pas de rapport dominant-dominé, ça c'est bullshit. Il n'y a pas de manuel versus intellectuel, parce que de toute façon, cette planète, elle fonctionne avec la complémentarité des deux. Nous sommes juste différents maillons de la même chaîne. Mais qu'est-ce que c'est? Et tous ces gens qui jugent là. Ah, ça fait du bien. Autre chose que j'ai appris dans ma vingtaine, parce que c'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant, Sharpay est le meilleur personnage d'High School Musical. Meilleure progression de personnage, meilleure chanson, meilleur jeu d'actrice. Ce point là, je l'ai abordé dans l'une de mes vieilles vidéos, je vous la mets ici ou là, on s'en fout de toute façon, vous allez pas aller regarder. On ne change pas les gens. J'avais insisté sur le fait qu'on ne change pas les gens, on ne sauve pas les gens et on ne guérit pas les gens. J'ai fait partie de ces personnes qui se disaient « Oh mais il a changé pour moi, il va arrêter de faire ci, il va arrêter de faire ça. » Non, il ne le fera pas. Ce n'est pas votre responsabilité de faire des gens des meilleures personnes. Non. Sois reconnaissante et vis vraiment chaque instant à 1000%. En ce moment, je peux vous dire que c'est très très compliqué d'appliquer ça. Mais c'est quelque chose que j'ai fait énormément ces dernières années, de vraiment profiter au max des personnes qui m'entourent. Et notamment, j'ai une anecdote hyper cucu. Avec mon copain, quand on s'est mis ensemble, très peu de temps après, on a décidé de s'offrir un voyage et on est parti à la Nouvelle-Orléans. Et dans l'avion, je me souviens, moi je suis quelqu'un qui arrive un peu à dormir dans l'avion, mais je refusais de dormir parce que on se tenait la main dans l'avion et j'étais tellement heureuse de ce moment-là, je me suis dit... Ça va pas durer toute ta vie ce moment-là, ça va durer le temps d'un vol. Et genre, je me souviens, je me forçais à pas m'endormir. Et j'ai dit à mon mec, ah non mais moi je vais pas dormir. Là je suis tellement heureuse, là, j'ai envie de savourer toute l'entièreté de ce moment. Et un mois après on est en quarantaine. Donc comme quoi, la couze elle avait bien flairé le truc. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et thanks God! Parce que du coup ça nous rend unique, ça nous rend différents. J'ai appris avec le temps que tout le monde ne pouvait pas m'apprécier. Même si... Même s'il y a quelques années je trouvais ça fou, je me disais mais pourtant je fais rien de mal. Bah pourquoi, pourquoi ces personnes ne m'aiment pas? Certaines personnes vont me trouver hilarante, d'autres personnes ne vont pas saquer le son de ma voix. Certaines personnes vont me trouver magnifique et d'autres vont me dire oh là là mais tu es à gerber, ton nez est immonde, tu me donnes des nausées. Je pourrais même pas te toucher avec un bâton. Et bah c'est quelque chose que j'ai accepté. Genre je me dis bah pff, ok. Il y a des façons de dire les choses. Alors apparemment je peux mettre ça sur le dos de mon signe astrologique parce que je suis sagittaire et visiblement on ne serait pas doté d'un tact immense. Chose que j'ai appris à mes dépens et je m'excuse auprès de toutes ces personnes que j'ai pu vexer ou blesser parce que moi quand j'ai quelque chose à dire, généralement je fous les deux pieds dans le plat, un bulldozer, j'arrive, je nique tout le monde. Sauf que les personnes avec qui j'interagis n'ont pas forcément la même sensibilité. Ça se trouve, ils sont en train en ce moment de vivre une période pourrie de leur vie et je le sais pas ou j'en ai pas conscience. Donc voilà, j'ai appris à reformuler de façon à ce que ce soit beaucoup plus subtil et beaucoup moins agressif. Je ne veux même pas que vous discutiez ce point. Les Sims, c'était mieux avant. Les premiers Sims, les originaux, nickel. C'était dans l'air du temps, c'était pas hyper développé mais c'était très bien pour l'époque. Les Sims 2, mais oh là là, mais le nombre d'après-midi que j'ai passé sur ça, je l'ai saigné. Oh, Ctrl Alt C, Mother Load, si vous savez. Oh, on se sait, on se sait. Avant-dernier point, et je suis tellement heureuse d'avoir pris conscience de ça et surtout de vivre ma vie en fonction de ça parce que ça me permet de me sortir de situations qui auraient pu être drainantes. Tout arrive pour une raison. Si des gens rentrent dans votre vie, et n'y reste pas, c'est parce que c'était meant to be. Et pour finir, une chose complètement inutile, le thé, c'est surcoté à pleine balle. J'ai l'impression de boire l'eau du bain à chaque fois que je me force là à boire cette eau chaude. Mesdames et messieurs, c'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Voilà d'où vient toute ma sagesse légendaire de ces 26 années d'apprentissage et d'introspection. En vrai, je pense que ça explique beaucoup de choses sur moi-même, tout ce que je viens de vous dire. Et j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre tout ça et que d'une façon ou d'une autre, ça va vous aider. Allez, des kisses. Putain, j'avais pas vu que je filmais.